donne ton sac. Donne ton sac, je te dis. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Viens là. Viens là, ça va, je vais pas tuer, quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? T'es mort, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, tu me rends fou, quoi. Tu me rends fou, là. Je me présente, je m'appelle Eric Florentino, je suis assistant social ici à SOS Femmes. Alors, je sais que c'est difficile d'être chez nous, je sais que c'est compliqué de venir. Donc, on va y aller doucement, vous allez essayer de m'expliquer ce qui se passe et ce qui vous amène aujourd'hui à être devant moi dans les locaux de SOS Femmes. Ok ? Ben, en fait, déjà, c'est parce qu'en fait, je viens pas pour moi. Donc, je viens pour une amie. Voilà. Et votre amie, par contre, elle n'est pas prête à venir elle-même? Non. Non. Non, elle a peur, quoi. Elle a peur. Ouais, elle a peur par rapport à son mari. Et puis que voilà, qu'elle ne sait pas du coup après si les gens y vont savoir. Bien sûr. Alors vous voyez, j'ai commencé tout de suite en vous disant, en vous félicitant d'être venu. Je pensais que c'était pour vous, je ne me suis pas posé la question. On peut comprendre qu'elle ait du mal à venir, hein. C'est difficile de venir chez nous. On la croira, par principe, ça il faut insister là-dessus. Votre amie, je ne sais pas, je connais rien de la situation, mais on sait, malheureusement, que souvent, les femmes ont peur de ne pas être crues. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'elle me dit. D'accord. On la croira pas. Ouais. Alors ici, on la croira, vous me direz, ça ne change pas grand-chose pour elle, mais par principe, effectivement, on la croira. Vous êtes sûr qu'on parle de votre amie? Non. Non. Mais j'avais trop honte pour le dire. Alors la honte, évidemment, c'est un des freins au départ des femmes victimes de violences. Hein. Comment souvent les femmes expliquent... C'est difficile de parler des violences conjugales. C'est difficile de se sentir finalement seule dans cette situation, alors que ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'il y a énormément de femmes victimes de violences et que la honte est un des freins au départ. Sachant que la honte, c'est aussi ce que renvoie aussi l'agresseur. Hein. Toutes les personnes qui travaillent avec les femmes victimes de violences, conjugales ou pas, parce que c'est la même chose pour les victimes de viol, c'est la même chose pour les victimes de mariage forcé, c'est la même chose pour les victimes de prostitution, elles ont toutes honte. Donc le travail qu'on fait, c'est justement comment la honte peut changer de camp. La honte, évidemment, il y a un tel déni de l'ampleur des violences en France que... pour les femmes qui sont dans ces situations, c'est très difficile de parler parce que le réflexe commun, c'est de ne pas y croire ou alors d'être complètement dans l'incompréhension. Mais pourquoi n'est-elle pas partie plus tôt ? Bah, les femmes qui sont dans cette situation, elles pensent que c'est de leur faute. Qu'elles soient jeunes ou pas jeunes, elles pensent toujours que si elles font un effort, ça ne va pas se passer. Donc elles anticipent les moments de violence, parce qu'au bout d'un moment, on est habitué, c'est toujours la même chose. Il y a 4 moments dans un couple où l'un des deux est violent comme ça. Le premier moment, c'est que la vie est à peu près normale. Le deuxième moment, c'est qu'on sent que ça commence à ne pas aller très bien, il va s'énerver, donc elle a peur de ce qui va se passer. Et les victimes le sentent très bien, c'est-à-dire une porte qui claque, une voiture qui arrive à toute vitesse, des paroles un peu trop fortes, et les victimes sentent que la crise de violence va éclater. Et dans les cas extrêmes, elles
cachent les couteaux de cuisine pour pas qu'ils passent vraiment à l'acte, etc. Et en tout cas, dans cette phase-là, elle fait beaucoup d'efforts. Donc elle lui fait les bons petits plats qu'il aime bien, elle met pas la jupe trop courte si ça l'énerve, elle parle pas au voisin s'il pense qu'il y a une embrouille avec le voisin. Ensuite, la crise de violence éclate. Alors ça peut être une violence verbale extrêmement violente, hein, avec des insultes ou des hurlements, ou des violences physiques, hein, immédiates, avec des coups. Et puis la quatrième étape, on appelle ça la lune de miel, c'est parce que ça retombe, et puis il s'excuse. Lui dit que c'est de sa faute s'il s'est énervé, et que finalement elle n'a qu'à changer son comportement, et ainsi de suite. Et on a finalement des cycles de la violence un petit peu comme une spirale, hein, qui sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus violentes. Donc pour impressionnante que soit cette scène de violence conjugale qu'on voit au début, nous savons très bien, nous chercheurs, que malheureusement le phénomène est assez fréquent dans la société et dans nos sociétés actuelles d'un monde dit moderne. Il existe plusieurs enquêtes en France qui ont tenté d'estimer l'ampleur du phénomène. Et les estimations, en tout cas les plus récentes, sont faites à partir de l'enquête cadre de vie et sécurité, qui est une enquête réalisée conjointement par l'INSEE et l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Et cette enquête estime à peu près 1% de l'ensemble des femmes vivant en couple cohabitant qui subissent au cours d'une année des violences physiques ou sexuelles. Et ces 1% appliqués à l'ensemble des femmes vivant en couple dans la population française et qui sont âgées de 18 à 75 ans, ça fait une estimation d'à peu près 200 000 femmes victimes de violences conjugales. Allez, je sais que c'est compliqué, mais essayez de m'expliquer un petit peu la situation. On va y aller tranquillement. Mais en fait, ça fait pas... Enfin, je suis mariée... On est mariés depuis 3 ans. Et bon, au début, on s'est rencontrés, j'étais très jeune. Ça fait... j'avais 18 ans. Et puis c'était bien, quoi. C'était bien, on était très amoureux. Et puis après, on a eu notre enfant quand on s'est marié, Kevin, qui a 2 ans maintenant. Et puis, moi, je travaille pas. Lui, il travaille dans une boulangerie. Enfin, il a trouvé un travail, il est commis. Et en fait, lui, il voulait qu'on ait un deuxième enfant. Ouais. Et. Mais moi, ça me faisait peur, enfin, parce qu'on n'a qu'un seul salaire, quoi, pour 3, enfin. Mais bon, on a essayé quand même, parce que c'était important pour lui. C'était pas important pour vous ? D'accord. Et en fait, j'arrivais pas à tomber enceinte. Et puis, j'ai fait 2 fausses couches, en fait. Et lui, en fait, ça l'a contrarié, quoi. Il s'est mis à boire de plus en plus, en fait. Mais excusez-moi, bon. Je vous coupe. Vous n'arriviez pas à tomber enceinte. Finalement, vous avez fait 2 fausses couches. Et finalement, il a été contrarié. Et vous le reliez directement au fait qu'il se soit mis à boire. C'est ça que vous êtes en train de me dire, là. Ben oui, parce que j'ai vu que ce Bim le dit, il me l'a dit, il a commencé. Il vous l'a dit ? D'accord. Oui. Il a commencé comme ça, en fait, à me reprocher, à me faire des réflexions sur les fausses couches, et puis il m'accusait d'avoir perdu des bébés, en fait. Que c'était de ma faute. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ben, je sais pas. Quand on parle des violences conjugales, il ne faut jamais oublier qu'avant la violence, il y a eu une histoire d'amour.
Et la victime, c'est ça qu'elle va chercher tout le temps. C'est, et l'une des stratégies de l'agresseur, c'est de fabriquer des lunes de miel à répétition. Donc, je t'ai frappé, j'ai cassé ton téléphone, déchiré la photo de ta mère, etc. Mais je vais arriver avec un bouquet de fleurs, je vais te demander pardon, je vais t'expliquer que moi-même, quand j'étais petit, j'étais tellement victime, etc., que je ne me rends pas compte de toutes les horreurs que tu... Que, parce que moi-même, je... Donc, bref, de toute façon, quels que soient les arguments qu'il va trouver, de toute façon, elle sera responsable de ce qui l'est arrivé. Et donc, ça, c'est systématique. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la victime, elle, bah, petit à petit... elle va penser que tout ce qu'elle fait est nul et non avenu. Et de ce que je fais est nul et non avenu, ça va passer par je suis nul et non avenu. Et donc, comment je peux expliquer aux gens que je suis nul et non avenu? Et on revient sur la honte. Ça s'appelle l'emprise. Hein. C'est simplement aussi ajouter aux injonctions contradictoires que va donner l'agresseur. Hein. C'est-à-dire, parfois, il va trouver... un lieu par exemple propre et puis le lendemain le lieu sera trop sale ou trop propre hein, ou un repas préparé à telle heure finalement un jour c'est trop tôt et le lendemain ce sera trop tard hein, finalement et la victime a toujours essayé d'adapter son comportement aux exigences de l'agresseur et finalement n'y arrivera pas. L'enquête faite en 2000 en France, qui s'appelait l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, a été la première enquête statistique nationale faite en France sur le thème des violences entre les personnes. Et là, l'estimation du nombre de victimes au cours d'une année était d'une femme sur 10. Hein. C'est de là que vient ce chiffre qu'on entend régulièrement, qui a été largement repris dans la presse, d'une femme sur 10 victime de violences, parce que cette enquête comptait les violences sexuelles, les violences physiques, les menaces d'usage de la violence, les insultes, les agressions verbales. Vous m'avez parlé tout à l'heure de main courante. Il fallait aller au commissariat pour déposer une main courante, pour lui dire qu'il était malheureux de ce que vous n'aviez pas réussi à faire. Il s'est passé quelque chose de particulier? Oui. En fait, non, la première main courante, c'est parce que... C'est parce qu'il a été violent et puis surtout, il m'a cassé mon téléphone. D'accord. Enfin, il l'a cassé volontairement, quoi. Volontairement? Ouais. Et c'est là que j'ai fait la première main courante, en fait. D'accord. Et surtout, en fait, il regarde tout le temps, il casse mon téléphone parce qu'il surveille mon téléphone, en fait. Parce qu'il pense que... Il y a un problème de jalousie. Oui. Oui. Mais moi, je fais rien. Enfin, je fais rien. Je fais rien pour... Enfin, je... Mais le problème, c'est pas si vous faites quelque chose ou pas. D'accord? Après, ça vous appartient. Le problème, c'est de contrôler, effectivement, de plus être libre de ses mouvements. C'est ça qui pose problème. Mais il croit pas, il croit à rien. Il me croit pas. D'accord. Et de toute façon... Ouais, de toute façon... Quoi que je dise, il ne me croit pas, mais... Quoi que je dise, il ne me croit pas. Mais parce qu'il est malheureux, hein, parce qu'il est malheureux. D'accord. C'est important, ça, comme formulation. Quoi que je dise, il ne me croit pas. Aujourd'hui, vous êtes persuadé de ça? Ouais. Oui, mais c'est pas... Mais c'est important. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je m'arrête là-dessus de souvent. Ah. Parce qu'aujourd'hui, c'est la jalousie, c'est le téléphone, il contrôle. Mais quoi que je dise, il ne me croira pas. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Moi, jamais je me permettrai de dire un truc pareil. Je ne le connais pas, ce monsieur, d'accord? Et je ne me permettrai pas de le juger. Mais simplement, avec ce type de formulation, vous abordez un truc super important. C'est que si demain, il n'y a plus de téléphone, ou il n'y a plus de suspicion de quelque nature ou que ce soit, il y aura un autre problème. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il ne vous croira pas. Quoi que je dise, il ne me croit pas. C'est vous qui l'avez dit, j'insiste un peu, mais c'est important. Là, on voit la victime qui indique que son conjoint ne la croit jamais. Donc, et on voit que malgré tout, elle fait des efforts. Elle espère qu'il va changer, et donc elle est dans... il ne me croit pas, mais je fais ces efforts démesurés. Et finalement, l'inversion du rôle, il est là. Hein. C'est-à-dire que malgré tous les efforts vis-à-vis de ce changement de comportement, ça ne fonctionne pas. Hein.
il y a toutes les violences psychologiques qui, lorsqu'elles s'accumulent au fil des jours, deviennent un véritable harcèlement et qui va déstabiliser complètement la personne qui en est victime, et non seulement la déstabiliser dans sa vie conjugale et intime, mais la déstabiliser même au travail, même dans ses relations sociales ou ses déplacements. La destruction des biens de l'autre, ça fait aussi partie d'une certaine forme du processus. Hein. Avant les violences physiques, il peut y avoir aussi soit des destructions de véhicules, de téléphones, avec tout ce que ça représente derrière, hein, mais aussi avant de, parfois sur les animaux également, avant de passer aux violences physiques sur la personne elle-même. Il y a le contrôle aussi de tout ce qui est administratif, c'est-à-dire la confiscation de la pièce d'identité, du passeport, la confiscation des chéquiers, la confiscation de la possibilité d'avoir un compte bancaire personnel, le chronomètre de « tu travailles de 9h à 13h et moi je suis là à 13h moins 2 pour voir si tu es bien là à 13h et si tu es là à 13h01 ». Eh bien, c'est que fatalement, tu as commis quelque chose qu'il ne fallait pas commettre. Et donc, l'imagination des agresseurs, elle est sans fin. Ce qui n'est pas sans fin, c'est leur stratégie. La stratégie, c'est toujours la même. Et on repère la même stratégie, que ce soit un agresseur dans le cadre d'un couple, que ce soit le violeur, que ce soit le proxénète. Ils font tous la même chose, d'isoler la victime, d'inverser la culpabilité. Ils ont tous le même fonctionnement vis-à-vis d'une victime, et qui est très efficace parce que ça les brise assez rapidement. Mais là, ce que l'on voit, c'est ce problème de contrôle de sa femme, de la domination sur elle. Et c'est un peu la définition des violences conjugales. Ce n'est pas du conflit, parce que le conflit... Bon, les conflits, on n'est pas d'accord, on en discute, mais là, on se rend compte que ce qui caractérise les violences conjugales, c'est la domination donc, du partenaire, de ce conjoint sur sa femme, qui veut tout contrôler, qu'elle fasse ce qu'il lui a dit, contrôler sa vie. Et ça se manifeste, là, ce sont des violences physiques, mais ce sont aussi des violences psychologiques, ça peut être des agressions sexuelles, voire des viols, et malheureusement, on connaît les statistiques, hein, des morts dans le couple. C'est en gros une femme tous les 2 jours et demi qui décède des coups de son conjoint. Donc pourquoi c'est une violence de genre? Parce que c'est maintenir l'idée pour l'agresseur qu'une femme, elle doit avoir tel comportement et pas un autre. Et si elle n'est pas une bonne maman, si elle n'est pas une bonne épouse, eh bien, fatalement, ça ne peut être qu'une pute. C'est le schéma mental, il est celui-là. Donc, finalement, il y a un énorme lien entre les questions d'inégalité dans la société, les stéréotypes, hein, le rôle dans le couple. Une femme qui doit obéir, qui doit être au service de son conjoint, peut aboutir à des violences au sein du couple. Tout ce qui est violence à l'intérieur du couple, la violence conjugale, c'est une circonstance aggravante. Pour être clair, le fait de frapper son voisin, c'est interdit. Mais le fait de frapper sa femme, non seulement c'est interdit, mais c'est puni beaucoup plus sévèrement que si c'est son voisin ou un inconnu dans la rue qui est frappé. Ce sont les hommes qui tuent leurs femmes dans les contextes de violence conjugale. Alors, ça me permet d'évoquer ça, ça me permet d'aller sur la question des meurtres conjugaux et de leur comptabilisation en France. Il faut savoir qu'on ne compte ces meurtres conjugaux en France que depuis 2007. Donc une petite dizaine d'années, c'est quelque chose de récent. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, on fait ce comptage depuis le début des années 70. On a quand même plusieurs années de retard. Il était temps qu'on s'y mette. La France est très en retard, hein, dans l'étude des phénomènes de violence à l'encontre des femmes et des violences intrafamiliales d'une manière globale. Il ressort de ce comptage que les meurtres conjugaux sont majoritairement commis par des hommes à l'encontre de leur compagne, mais il y a un petit pourcentage, environ 15%, qui est à peu près stable d'année en année, de femmes qui tuent leur compagnon. Mais
les enquêtes de police permettent de mettre au jour que ces femmes étaient déjà elles-mêmes victimes de violences conjugales et que quand les femmes tuent leurs compagnons, c'est dans un contexte où elles sont elles-mêmes victimes, donc dans une logique où elles vont mettre fin aux violences qu'elles subissent en tuant leur partenaire qui est aussi leur agresseur. On n'a pas d'enquête sociologique faite sur la base des dossiers de police, d'enquête sociologique à partir des dossiers de police hein, sur ce type de meurtre en France. Par contre, ça a été beaucoup fait en Amérique du Nord. Et ces travaux mettent au jour une chose, c'est-à-dire que les hommes tuent leur compagne parce que leur compagne veut partir et les femmes tuent leur compagnon parce que justement, ils ne veulent pas les laisser partir. Donc la signification même de l'acte de tuer dans le cadre conjugal n'est pas le même quand il est commis par un homme et quand il est commis par une femme. Même ma mère, elle veut pas. Ouais. Elle me dit qu'il faut, de toute façon, qu'il faut protéger le petit. Et, mais moi aussi, je veux protéger le petit, mais justement, je sais pas, elle me dit qu'il faut que je me taise. Quoi. Là, c'est typiquement, vous voyez, le genre de situation où c'est vous qui devez vous positionner. Par définition, c'est vous qui connaissez monsieur, c'est vous qui connaissez l'enfant, c'est surtout vous qui vous connaissez. Même si on s'obstine depuis des années à vous nier en tant que personne, c'est vous qui vous connaissez fondamentalement. Mais d'imaginer que de vous taire, ça va protéger le petit, je pense que ça va surtout protéger les gens qui n'ont pas envie qu'on en parle. Comment vous imaginez la suite ? Alors, les enfants sont toujours victimes des violences conjugales, qu'ils soient eux-mêmes maltraités directement, et c'est souvent le cas dans les situations de violences conjugales. Mais les enfants exposés, c'est-à-dire ceux qui voient, qui entendent, qui ressentent la peur de leur mère, toujours. Donc ces enfants sont aussi traumatisés que leur mère. Et nous, quand on les reçoit dans nos centres d'accueil et d'hébergement, on voit des enfants complètement dévastés, aussi dévastés que leur mère, avec les mêmes traumatismes. Des bébés qui ont des troubles du sommeil, qui ont des troubles de l'alimentation, des jeunes enfants qui tapent les autres ou qui sont totalement inhibés. Avec une grande souffrance de la part de ses enfants. On sait aussi qu'en France, la justice, elle n'est pas encore totalement d'équerre avec ça et que pour la justice française, un conjoint violent peut être un bon papa. Donc là-dessus, on a encore une marge de travail très importante à fournir pour expliquer que non, un conjoint violent ne peut pas être un bon père parce qu'un bon père, ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'infliger à son enfant des scènes aussi terribles et traumatisantes pour un petit... que ce soit un petit garçon ou une petite fille. Et il ne faut surtout pas oublier, lorsqu'il y a des enfants, lorsque le père dit oui, ou à l'audience, l'avocat dit « Bon, peut-être qu'il y a eu des violences conjugales, certes, mais c'est un bon père. » Non. Quand on est un mauvais mari, un mauvais compagnon, qu'on bat la mère de ses enfants, on ne peut pas être un bon père. Même si on l'est physiquement, si on ne les bat pas, et comme je dis à l'audience, encore heureux, qu'ils ne battent pas ses enfants, parce que les enfants, et maintenant, depuis quelques années, on commence vraiment à travailler sur cette donnée qui est très importante, c'est que les enfants sont des victimes aussi de ces violences conjugales. Alors, ils ne sont pas frappés directement, mais de voir, il y a eu des études qui ont été faites dans des services de pédopsychiatrie, que les enfants sont beaucoup plus traumatisés et affectés par les violences commises sur leur mère que si eux-mêmes étaient frappés par leurs parents. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question et les dames me disaient « Je suis restée pour les enfants. » Et puis un jour, j'ai compris qu'il fallait partir pour les enfants. Et c'est exactement ça. Allez-y, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Alors, comment allez-vous ?
Il y a eu à nouveau des épisodes de violence depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais. De la violence physique. Monsieur a été violent physiquement. Ouais. On a longuement parlé la dernière fois de la plainte, de la difficulté à déposer plainte. J'entends bien tout ça. On avait parlé de la main courante que vous aviez faite. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, encore une fois. Qu'aujourd'hui, vous n'êtes probablement pas encore prête à faire cette démarche-là, parce que c'est une démarche qu'on fait très, très difficilement. Par contre, c'est important ce que je vais vous dire, là, je crois. Quand il y a de la violence physique comme ça, je ne saurais trop vous conseiller de faire constater les séquelles. Si vous avez des traces de coups, je ne sais quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prête à déposer plainte. Et tout le monde peut l'entendre. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je répète. Hein. Par contre, un jour, parce que j'entends bien que ce n'est pas demain, hein, demande de divorce, il faudra très concrètement prendre un avocat, expliquer à l'avocat ce que vous voulez, idéalement, ou de votre point de vue, et non pas en intégrant déjà les éventuelles volontés de monsieur. D'accord ? Ce que vous voulez. Vous avez déjà évoqué cette possibilité avec monsieur ? Non. Non, parce que je me dis qu'en fait, c'est la seule solution, mais... Enfin, c'est ce que je me suis dit après, là, après notre rendez-vous, et j'ai réfléchi, et je sais pas... Je me dis que c'est la seule solution, mais je sais pas comment faire, parce que lui, il va pas vouloir... Enfin, je sais pas comment, en même temps... Il y a beaucoup de choses que vous interdisez parce que vous avez peur de sa réaction ? Oui. Ah oui. Même des choses plus anodines qu'une demande de divorce. Oui. Ah oui. Même là, j'ai peur qu'il sache que je suis venue là. Oui. J'ai peur qu'il soit au courant, quoi. Parce que j'ai dû raconter, voilà. Vous avez peur que ce soit pas ce qu'il veut ou vous avez peur de sa réaction ? Ben, sa réaction. Il vous fait peur ? Oui. J'en ai marre d'avoir peur. Le temps. Je me suis permis de vous poser la question parce que la formation, par exemple, c'est l'exemple type de l'endroit où vous allez pouvoir aller. Vous allez prendre une forme de plaisir, d'endroit où vous allez pouvoir vous valoriser, vous allez apprendre des choses, être en contact avec du monde. Et c'est souvent, attention, je ne vais pas non plus vous effrayer, mais c'est une réalité. Des moments de la vie, dans une relation de couple où il y a de la violence, bien évidemment. C'est des moments de la vie qui sont un petit peu périlleux, d'accord ? Il y en a qui arrivent ? Oui, il y en a plein qui arrivent. Heureusement d'ailleurs, hein. Sinon... Ouais, il y en a plein qui arrivent, bien sûr. C'est douloureux, c'est difficile, c'est compliqué, mais il y en a plein qui arrivent, hein, bien sûr. Donc vous allez y arriver aussi ? Le schéma, il est simple, c'est-à-dire que le professionnel, là, il dit, il veut vous contrôler. Moi, je pense pas que c'est pas seulement du contrôle, c'est ça la domination. C'est je veux te dominer et dominer tout acte de ta vie. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décider quels sont les appels ou les SMS qui sont bien, et ceux qui ne sont pas bien. Tu ne contrôles plus rien, mais au sens de je te domine parce que tu dois faire ce que j'ai décidé qu'il faut que tu fasses en tant que femme. Et une femme, elle n'a pas à recevoir des SMS d'un autre homme que moi. Une femme, elle n'a pas à utiliser cette liberté d'avoir des copains, des copines. Et une femme, c'est impossible qu'elle ait des copains sans que fatalement ce soit ses amants. Donc je te réduis
à une espèce d'objet sexuel où tu ne pourrais pas avoir d'autres relations humaines que simplement des relations amicales avec des hommes. Et donc je te soupçonne toujours, parce qu'en général ça va se terminer très rapidement par « de toute façon t'es qu'une pute, je le sais très bien », donc ça se termine comme ça. L'enquête en VEF a montré que tous les milieux sociaux étaient touchés. Que les personnes soient en emploi ou pas, et quand elles sont en emploi, qu'elles soient cadres ou ouvrières ou employées, les femmes sont tout autant exposées aux violences conjugales que d'un milieu à un autre. Hein, il n'y a pas de lien entre la profession exercée et le fait de subir des violences conjugales. On a des femmes qui sont avocates, médecins, qui viennent nous rencontrer et qui sont victimes de violences conjugales. Elles peuvent être tout à fait dans une profession remarquable avec des salaires très importants et être finalement maltraitées au sein de leur propre domicile. Hein, c'est toujours la question du contrôle et de la domination de l'autre. Hein. Finalement, parfois, certains agresseurs ne supportent pas justement que leur conjointe ait une situation socio-économique élevée, parfois plus importante que la leur. Bonjour monsieur. On vient déposer plainte contre mon beau-fils. Pour quel motif voulez-vous déposer plainte ? Il a battu ma fille. D'accord. Alors, en quoi puis-je vous être utile, madame ? Enfin, je suis venue avec ma mère pour porter plainte contre mon mari. Parce qu'il m'a frappée. Donc, vous voulez porter plainte ? Contre votre mari ? Il m'a volé aussi mes papiers. Enfin, mes papiers d'identité et... Et vous pouvez m'en dire un peu plus ? Parce qu'il m'a frappé plus fort que d'habitude et ma mère elle m'a dit qu'il fallait ça s'est passé où madame? Chez nous. J'étais au lit et lui il est venu et il a commencé à m'insulter en disant que j'étais une pute et que je l'avais trompé et il m'a pris mon téléphone. Et quand j'ai voulu le récupérer, en fait, il m'a jeté. Enfin, par terre. Et... Il vous a jeté par terre? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je voulais me relever. Et en fait, il me tenait par terre avec son pied sur mon ventre. Je ne pouvais pas me relever. Mais après, il s'est calmé. Toujours ça en fait. Il s'est calmé et ouais. Il est resté dans la maison, il est parti. Non, il est resté dans la maison. Enfin, il peut aller dans la cuisine. Et là, il m'a frappé, enfin, il m'a giflé. Il a giflé de nouveau. Oui, violemment, très, très fort. Et en fait, il est allé dans la cuisine. Et il a pris un couteau et il disait qu'il voulait me tuer. Et il s'approchait en fait de moi et il répétait qu'il allait me trancher la gorge comme ça. Il dit je vais te trancher la gorge. C'est très compliqué de raconter une histoire quand on est
avec la figure complètement fracassée comme on voit cette dame, et de face à un policier dans un truc où on va porter plainte contre l'homme qu'on aime ou qu'on a aimé, que, enfin bon, déjà le contexte il est quand même lourd, et de ne pas être avec quelqu'un qui se rend disponible pour écouter ce qui s'est passé avant d'être déjà dans le truc administratif, ça ne facilite pas la confidence, en fait. Un des grands tabous des violences conjugales, c'est le viol conjugal. C'est-à-dire que les dames vous disent, les dames qui sont passées par là, leur vocabulaire, c'est de dire « des fois, j'avais pas envie, mais bon », ou « ils voulaient faire des trucs et moi, j'avais pas trop envie, faire des trucs ». Faire des trucs, c'est un signe que vraiment, il se passe des choses qu'elles voulaient vraiment pas qu'il se passe. On ne pose pas la question aux femmes. D'ailleurs, on ne leur pose aucune question la plupart du temps. Donc, le viol, il vient vraiment si la femme a subi un viol le jour même et que c'est ça qui l'amène, en fait. Mais sinon, la violence conjugale, c'est une femme qui a le visage tuméfié. Mais on sait, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas la parler au singulier, qu'elle est au pluriel. Parce que si on avait bien dans notre tête que c'est du pluriel et non pas du singulier, on balayerait l'ensemble des violences. Et évidemment, dans ce processus, dans ce mécanisme, dans ce cycle des violences, on arriverait à interroger ça, la violence verbale, la violence économique, la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle. La violence conjugale, c'est pas un phénomène anecdotique. Concrètement, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le fait d'actes rares, de personnalités isolées, mais au contraire, c'est un phénomène qui touche, on ne peut pas dire massivement les femmes, parce que ce n'est pas non plus un pourcentage de 98% qu'on va trouver, mais ce sont des pourcentages faibles, mais qui constituent un nombre de personnes importants. Allez-y, je vous en prie. Merci. Installez-vous. Donc vous venez, peut-être il y a du nouveau sur la procédure de divorce. Moi, j'ai pas eu de nouvelles de votre mari. Il n'a pas constitué de confrères, manifestement. Donc, Non. En fait, il y a du nouveau, c'est que j'ai, c'est que depuis, en fait, il y a eu une plainte. Enfin, j'ai porté plainte. Mais une plainte pour quoi? Pour violence. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais que quand on avait déjà discuté de la procédure de divorce, vous avez déjà fait allusion à des comportements de votre mari. Bon, je ne pensais pas qu'on était à ce niveau d'importance. Il y a eu un certificat médical, oui, il y a eu... Oui. Elle m'a... D'abord, on est allé aux urgences. Oui. Vous avez les documents, oui. Oui. Oui, je l'ai gardé... Oui, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'on fasse un certificat, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, on a quand même de sérieuses lésions, de nombreux coups. Vous avez été 8 jours. Mmh. Et il y a effectivement, aux urgences, en fait, je me suis aperçue qu'il m'avait volé tous mes papiers, en fait. Donc, tous vos papiers d'identité, etc. Oui, ma carte vitale. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus de papiers. C'est lui qui les a. Mmh. Il ne vous a pas recontacté pour vous les donner, pour vous laisser quelque part? Si, je les ai récupérés parce que, en fait, c'est la police qui... D'accord. Parce qu'il a été interpellé. D'accord. En fait. Ok, d'accord. Vous avez le PV de dépôt de plainte? C'est celui-là. Okay. Mmh. Oui, effectivement, il y a tout qui ressort, que vous avez pris les clés. Alors, là, vous savez que maintenant, vous avez décidé de porter plainte. Et c'est très bien, parce que je sais que c'est très compliqué. Donc, lui, il va être entendu. Et ensuite, on va être convoqué pour une audience au tribunal. Donc là, c'est à ce moment-là où on sera entendu cette audience-là. Justement, en fait, je ne sais pas trop comment se... parce que là, c'est ma mère. Hein. Enfin, voilà, moi j'ai écouté ma mère. De toute façon, je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire que c'est votre mère qui vous a conseillé de porter plainte. Ouais. Mais elle a bien fait, parce que si on laisse ça sous silence, ça va se répéter, il va y avoir un sentiment d'impunité, ça va recommencer toutes les semaines, et ça va aller crescendo jusqu'au jour où on arrivera sur le drame. Donc, et en fait, du coup, c'est avec tout ça.
Si je ne suis pas obligée d'être là. Si, si, il faut que vous soyez là. C'est mieux que vous soyez là. Je comprends que ce soit pénible pour vous, mais il faut pas reculer. Vous avez été courageuse pour instiguer le processus. Je sais très bien, dans ces cas-là, que c'est compliqué, qu'on a envie de tout abandonner, mais voilà, l'attente jusqu'au procès, ça va être pénible. Même le procès sera pénible, mais il faut vraiment que vous soyez courageuse et que vous alliez jusqu'au bout. Dossier Sébastien Leblanc. Sébastien Leblanc, approchez. Monsieur Leblanc, il vous est reproché d'avoir à Marseille le 20 mai 2015 volontairement exercé des violences sur Madame Anna Verdot, épouse Leblanc, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 8 jours, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis sur votre conjoint. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés ? Non. Vous ne reconnaissez pas ? Non, je ne reconnais pas. Donc, Anna Verdot, votre épouse, a porté plainte contre vous pour plusieurs actes de violence. Elle décrit un contexte de mésentente conjugale qu'elle attribue à sa difficulté à concevoir un second enfant. Elle dit que vous deveniez alors violent, que vous alliez jusqu'à la gifler plusieurs fois par semaine. Et le médecin constate différents hématomes, alors joue gauche, jambe, bras, cou, ventre, des douleurs multiples, ventre, épaules, bras, palpations crâniennes, contusions thoraciques, des contusions des deux bras et du visage et un choc psychologique marqué. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur les faits, monsieur ? Je tiens à dire, on n'est pas un couple violent. Il ne s'est jamais rien passé, on peut demander aux voisins. On peut demander aux voisins, ça se passe bien. Ça se passe bien, il n'y a jamais... Enfin, je ne sais pas, tout le voisinage, il peut dire. Moi, j'ai jamais levé la main sur ma femme, jamais. Bon, alors, votre épouse, arrive avec le visage marqué chez sa mère. Sa mère le voit. Vous avez remarqué quelque chose ? Comment vous expliquez ça ? Non, j'ai rien vu. Elle avait rien du tout, votre femme ? Vous voyez rien ? Non, j'ai rien vu. Il n'y a rien du tout. Bon. Regardez, normalement, là, on a des... Là, il y a un tendon, je le montre. Là, il y a un tendon. Je me suis coupé la main. Je me suis coupé le tendon, là. Accidentellement ? Non, je ne me suis pas coupé accidentellement. Je me suis coupé ça pour ne pas la frapper. Pour ne pas la frapper, quand la police, elle veut... Regardez, il y a le rapport, il le dit. Je vois. Donc, vous êtes toujours, effectivement, sur cette position, pas de violence. Anna Verdot, approchez-vous. Madame Verdot, est-ce que vous maintenez les déclarations que vous avez faites au service de police ? Oui. Telles quelles ? Oui. L'enchaînement des faits tel que je l'ai raconté ? Oui. D'accord. Mais... Bon. Je vois que vous semblez attendre un enfant ? Oui. C'est... Oui. D'accord. Maître Zénou, pour la défense. Oui, j'ai une question, Madame le Président, merci. Monsieur, vous venez de dire que vous étiez fou amoureux de cette femme. Si vous aviez quelque chose à lui dire pour décrire votre lien aujourd'hui, que lui diriez-vous ? Moi, je lui dis que si elle veut recommencer, on peut recommencer. Et je lui dis que je veux voir mon fils et que je veux voir le petit grandir. Je vois plus mon fils. Je vois plus mon fils. J'ai plus d'argent. Je paye tout. Je suis à la rue et elle est enceinte. Et voilà, il a fallu qu'on se parle. Madame Verdot, vous habitez où maintenant ? Dans quel contexte ? J'habite chez ma mère. Chez votre mère ? Oui. D'accord. Alors, comment ça se passe, là, les relations concernant l'enfant ? Ben en fait, au début, je l'ai téléphoné parce qu'on ne pouvait pas se voir. Et en fait, au téléphone, il a été gentil. En fait, il a toujours demandé des nouvelles du petit. D'accord. Et après, du coup, moi, je me suis dit que c'était quand même son père et que lui, il fallait pas qu'il soit mêlé. Qu'il est gentil avec son fils. Alors, j'ai bien voulu qu'il se voit. Mais c'est un père attaché à son enfant. Oui. Non. Mais oui. C'est juste que quand on s'est vu,
En fait, il m'a dit que qu'il travaillait, qu'il avait des rendez-vous avec l'association et que ça lui a fait du bien. Et du bien à quel point de vue ? Ben, il m'a dit qu'il changeait et qu'il m'a dit qu'il recommencerait plus. Alors du coup, moi, enfin, je sais pas trop si je veux continuer le divorce parce que ou me remettre avec lui. Enfin, c'est. Vous êtes un peu indécise. Oui, parce que c'est. Ah, c'est quand même le père de mon fils. C'est le père de votre fils. Et puis de celui qui arrive. Vous devez accoucher quand ? Dans un mois. Bon. Monsieur Leblanc, est-ce que vous avez rencontré un médecin ou un psychologue dans les 6 mois-là qui nous séparent des faits ? Oui, j'ai fait un groupe de parole. Un groupe de parole ? Ça vous fait du bien ? Moi, si c'est utile, je le fais. Est-ce que vous commencez à comprendre, à vous remettre un petit peu en question autour de l'alcool ? Comprendre, moi, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Pardon ? Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Comprendre, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas quoi ? Je ne comprends pas comment la situation, elle a glissé comme ça. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait tout ça. Eh bien voilà, quoi, c'est habituel, c'est-à-dire que, bon, soit il n'a absolument pas conscience de ce qu'il fait et que pour lui c'est normal, soit son premier réflexe, tout à l'heure je parlais de recruter des alliés, et il est très fort parce qu'en 4 secondes, il a les voisins qui sont des témoins, la police qui est témoin, en 4 secondes, il a plein de gens qui peuvent témoigner combien il est formidable. Et il est aussi très malin parce qu'il dit « nous ne sommes pas un couple violent ». Lui, il n'est pas un couple violent, c'est-à-dire il ne parle pas de lui en fait. C'est dans ce couple-là, on n'est pas violent. Oui, souvent, la majeure partie des agresseurs ne reconnaissent pas les violences. Hein. Donc ils vont essayer d'inverser la culpabilité, d'expliquer que soit c'est un acte de violence isolé et que ça ne se reproduira plus, soit parce que c'était dans le cadre d'un conflit où chacun était à égalité. Alors, il faut bien faire la différence entre le conflit de couple et la violence. Et peut-être on peut imaginer qu'il ne voit pas la violence parce que la violence elle est normale et que c'est normal d'être devenu fou parce qu'il y avait des SMS dans le téléphone qui ne lui ont pas plu. C'est peut-être aussi, tout à l'heure on abordait la violence de genre, ben, clairement peut-être que pour cet homme-là, une femme qui reçoit des SMS sans son accord, c'est juste pas possible. Les équipes sont habituées à cette question d'aller-retour hein, chez les femmes victimes de violence, c'est normal, ça fait partie de la difficulté pour les victimes de sortir de ce cercle de la violence, hein, pour tout un tas de raisons. Parce que c'est effectivement une relation qu'elles ont pensé une relation amoureuse hein, au début, parce qu'il y a des enfants, parce que c'est l'intimité, parce que le cycle de la violence fait qu'avec ces phases de rémission, à un moment donné, elles pensent que tout va s'arranger. Donc cette dame, elle y croit encore à la lune de miel. Hein. Elle y croit parce que il lui fait croire qu'il va avoir une association, il lui fait croire qu'il va changer, il lui fait croire qu'il est un bon papa. Il y a aussi des femmes qui, à l'audience des victimes, vont dire « j'ai inventé, j'ai exagéré ». Alors que dans la procédure, on voit qu'elle n'a pas exagéré, que la police est intervenue, par exemple, le soir, que c'est des voisins qui ont appelé. Personne n'arrive jamais en disant « je suis un gros salaud, ça fait 3 ans que je la tape ». Ils font pas, ils essayent de s'en sortir pour pas être condamnés, quoi. C'est un peu impressionnant hein, d'arriver dans un tribunal, il emmène pas large. Il a un peu la voix qui tremblote, il a un peu les yeux qui s'humidifient. Évidemment qu'il va être la victime, que lui, tout le monde va être contre lui, la belle-mère, le fait qu'il ne voit pas son fils, ou tout d'un coup ça va être un papa ou qui va bientôt nous expliquer que c'est horrible la justice en France parce que les pères ne peuvent pas voir leurs enfants, et puis il montera sur une grue, et puis il nous expliquera que c'est vraiment la fin du monde, en oubliant ce qui fait qu'il n'a pas la garde de son enfant. Je vous remercie. Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions ? On considère que les violences commises dans la rue sont inadmissibles. On ne tolère pas qu'un individu en frappe un autre dans la rue. On ne tolère pas qu'un individu en frappe un autre dans un stade. On trouve ça inadmissible.
Est-ce qu'on peut tolérer que chez soi, l'être qui est censé nous aimer puisse commettre des violences sur son conjoint, son concubin, son partenaire? Au domicile, on doit être en sécurité, encore plus qu'à l'extérieur. C'est pour ça que le législateur a créé cette circonstance aggravante de violence commis sur le conjoint ou sur l'ex-conjoint. Et ce qui m'inquiète dans le cadre de cette affaire, c'est que M. Leblanc, il est dans le déni total. Madame Leblanc, je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être sont-elles bonnes, peut-être sont-elles mauvaises, je n'en sais rien. Elle nous a fait comprendre qu'elle entendait reprendre la relation avec M. Leblanc. Alors j'aimerais dire à Madame Leblanc qu'il y a une femme tous les 3 jours qui meurt en France suite à des violences conjugales. Que bien souvent, il y a eu un épisode de violence précédant l'homicide. Je n'ai pas envie qu'un jour, un de mes collègues ait à requérir devant une cour d'assises contre M. Leblanc et parce que Mme Leblanc aura été tuée par son mari. Maître Zénou pour la défense. Madame le Président, on ne souffre jamais que du mal que nous font ceux qu'on aime. Monsieur Leblanc, ce n'est pas un bourreau comme j'ai pu l'entendre ici. Il y a plusieurs types d'affaires, on l'entend souvent devant ce tribunal, vous le savez comme moi. Je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe n'est pas grave. Et je suis navrée pour la victime de lire un certificat médical tel que celui-là. Mais les faits doivent être appréciés, dans leur véritable contexte, pour qu'ils aient un sens pour celui-ci qui vit dans le déni, ça a été dit, et c'est une réalité. C'est une réalité parce que ça fait partie des 5 étapes du deuil, comme les 5 étapes d'une rupture. En premier lieu, on a un déni. Chez celui-ci, il dure un peu trop longtemps, mais il existe. Il ne peut pas admettre. Il ne peut pas admettre qu'il va perdre cette femme, et il ne peut pas admettre une seconde avoir pu, à un moment, basculer parce qu'il aime trop cette femme-là. Il l'a dit devant vous à cette barre, il l'a dit en audition devant les enquêteurs et il l'a dit au cours de sa confrontation. Et il le répète et il l'assène sans cesse parce qu'il se rend fou avec ça, ça aussi il vous l'a dit. Et quand dans ce contexte particulier de passion qui le dévore, parce que c'est ce lien-là qui les unit. Ce n'est pas anodin, monsieur le procureur, ce n'est pas anodin dans le cas d'une personnalité telle que celui-ci que vous devez juger, dont vous devez tenir compte. Pour celui-là qui est fou de cette femme, fou à mourir, fou à se scarifier, fou à se faire du mal à lui-même, se rendre compte, lorsqu'il rentre ce soir-là, ce 20 mai, qu'elle le trompe parce qu'il le sent et il le sait. Et vraisemblablement, c'était vrai puisqu'il trouve ses messages et qu'il veut s'expliquer avec elle et qu'il lui dit « Je veux parler, il est minuit et demi, je veux parler, j'ai besoin de savoir » et qu'elle lui dit « Non, moi je dors demain, j'ai ma formation ». Elle a le droit de le faire et ça ne légitime pas des coups. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais ça les explique. Et pour punir, pour sanctionner, il faut comprendre et expliquer. Mais lui, il a mal et il souffre. Il souffre à sa manière et cette violence qu'il ressent, elle est terrible aussi. Il faut comprendre et expliquer. Bon, bah elle est dans son rôle, cette avocate, et elle est dans ce que la société pense. C'est clairement, c'est... On pense dans la société que être fou d'amour, ça veut dire pouvoir frapper, annuler, tuer quelqu'un. On a des dizaines et des dizaines d'exemples. On a la presse et ses titres, la passion ravageuse, crime passionnel. Donc elle est sur cette position. En France, la situation est quand même particulièrement dramatique. On banalise complètement ces actes de violence. Quand on voit des encarts de presse rapportant des faits de meurtres conjugaux. Crime passionnel, drame familial, sans expliquer derrière tout le cycle de la violence et tout ce qui a pu précéder l'arrivée devant ce tribunal pour cette femme. C'est un pauvre homme qui est perdu d'amour et qui en face de lui a une traînée, qui a un amant, et donc oui, c'est pas bien qu'il l'ait frappé, mais franchement, il n'y avait pas d'autre solution parce qu'il est fou d'amour pour elle et qu'il se scarifie et qu'il se fait du mal à lui-même tellement il aime. Autrement dit,
il faut vraiment sortir de l'idée que c'est un phénomène rare, loin de là. C'est une expérience vécue par de très nombreuses femmes en France. Mesdames, messieurs, le tribunal, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Leblanc, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Et en répression, il vous condamne à une peine d'emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis, avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans. Le tribunal déclare Madame Anna Leblanc recevable en sa constitution de partie civile et vous condamne à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Le tribunal prononce également une interdiction, qui est celle de rencontrer Madame Anna Verdot. Cette interdiction est motivée par l'état de fragilité de la victime, encore aujourd'hui, en fin de grossesse. Et j'irai sur, effectivement, l'absence de remise en question qui a été constatée dans les débats. L'audience est suspendue.